Aujourd'hui, grand vendredi, je souhaite bon dimanche à tout le monde. Je suis très heureux de venir ici saluer le président Abdou Bouhabou là, dans son bureau à Abidjan, dans le cadre de ses fonctions de magistrat. Ce monsieur-là, il a eu cette grâce de pouvoir trois décrets successifs du président. Le premier, le notant, le nommant magistrat. Le deuxième, le nommant substitut du procureur, près du tribunal de Benoît-Saint-Abidjan. Et un troisième décret, le détachant au Centre national de la documentation. Alors, c'est la première fois depuis tout ça que je viens le saluer à son bureau. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je viens saluer ce grand homme qui est tout beau. Je retrouve voilà son charme et son beau sourire. La joie de lui. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, l'opinion veut savoir une suite de la question de Ouattara. Loin de nous toute velléité de communication, non. Mais la reconnaissance est une vertu divine. Chaque fois qu'il faut dire merci au président Alassane Ouattara, on doit pouvoir apprécier cette action. Et lui, il doit être l'expression vivante de la reconnaissance. Donc, quel petit message pour passer. L'opinion de notre président de la République. Tout a commencé par extraordinaire un vendredi. Et tout qui a besoin de s'achever et se parachever un vendredi. C'est vrai. En ce grand jour de l'île de Dieu, le jour saint des musulmans. Je commencerai par dire merci au président de la République. Tous ceux qui ont été sensibles à ma cause, je le dis et je le ferai toujours, s'étant associés à moi pour dire merci au président de la République. Et j'étais avide de connaître la suite des heureux événements qui m'arrivaient. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes arrivés, pas à l'aboutissement final, mais à un aboutissement déterminant. De mon parcours. Aujourd'hui, je suis allé dépasser auprès du Centre national de l'éducation juridique après avoir été nommé comme substitut du procureur dans un joli bureau, un joli cadre de cocody, un nouveau flambant neuf, avec un esprit neuf, un état d'esprit neuf. Je dis que je suis prêt à donner le maximum et le meilleur de moi-même. Satisfaire non seulement le président de la République, mais pour satisfaire tous ceux qui attendent du moins que je fasse la preuve de mes qualités. Nous ne serons pas déçus. Merci au président de la République, merci à M. Touré, tous les Suleymans qui ont été les facteurs déclencheurs. Nous vous remercions encore au président de la République, encore à tous les Suleymans, et ensemble nous disons merci à Dieu. La première vidéo avait été faite un vendredi, comme il a dit, et aujourd'hui nous sommes en ce grand vendredi, avant de gloire à Dieu. Que Dieu mette sa grâce sur le président Ouattara. Je sais que sa progression va se faire de façon fulgurante, parce que c'est un homme très intelligent. Et le président va sûrement le recevoir. Et j'espère ce jour-là. Ce que je voudrais ajouter, et ce que je souhaiterais de tout mon cœur, c'est de pouvoir dire. Merci, un très grand merci à mon bienfaiteur, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. De visu et de façon charnelle, lui serrer la main pour qu'il sente à quel point je lui suis reconnaissant et je serai éternellement reconnaissant à ce monsieur. C'est car c'est un grand homme, un réparateur d'injustice. Merci bien, monsieur le président. Que Dieu fasse que nous nous rencontrions. Je le mets en prière. Merci.